Bon, du coup, Rémi, Alexandre, Benoît, nous venons de passer deux super jours de ride au pied du Mont Ventoux sur les traces de Jay avec notre dernier cri, notre dernier Giant Trans XI+, un vélo qui développe 150 mm de débattement sur sa roue avant, 140 mm de débattement à la roue arrière, avec notre système de géométrie variable, le flip chip. Chaussée de roue 29 avec une géométrie, vous l'avez vu, hein, très polyvalente. Et puisqu'on est sur un vélo assistance électrique, une batterie 625 Wh qui alimente un moteur Giant SyncDrive Pro dont la mécanique interne du coup est réalisée avec des pièces Yamaha qui ont été customisées par Giant avec des pièces donc, que nous avons conçues. Donc un super vélo que je pense que vous avez très bien aimé, qui pour l'occasion s'est vu chaussé de pneus Michelin pour avoir un super grip du coup sur les traces de Jay. Je crois que personne ne s'est plaint de ses mains, hein. Pourtant Rémi, tu roulais sans gants, ah, t'as pas de traces, tout va bien, hein. Donc petite protège-main AVS là qui par chez nous en Provence sont bien utiles. En bas, c'est vrai que c'est propre, donc ça va. Alors, je m'appelle Benoît, j'ai 45 ans. J'habite du côté de Perpignan, dans la 66. Et je pratique donc le VTT Enduro depuis à peu près 7 ans. Et je suis passé depuis 6 mois au VTT AE. Donc, Rémi, 35 ans. Je viens de Lyon, donc je fais de l'enduro électrique depuis 2 ans et demi à peu près. Principalement en Savoie et en région lyonnaise. Alors moi c'est Alexandre, j'ai 33 ans, je viens de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Je fais un peu de vélo, notamment dans le cadre de ma pratique, je fais de la motocross, donc c'est plus pour une préparation physique. Pouvoir tester ce vélo, le Giant Trans-I, la grandeur nature justement sur les traces de Jay Maréchal, je pensais que c'était un bon lieu pour pouvoir tester ce vélo. Ouais, mais bon. Super vélo, très joueur, passe partout, avec une géométrie variable. Moi, pour ma part, je préfère rouler en version basse. Je trouve un vélo beaucoup plus joueur, beaucoup plus stable. Le flip chip qui est installé sur ce vélo, pour moi, c'était quelque chose qui allait pas ou peu changer le comportement, alors que franchement, c'est assez bluffant. En position haute, sur des remontées de single technique, on a vraiment une bonne position sur le vélo. À bilan de ce spot, eh ben, franchement c'est vraiment mortel. Des choses que j'avais pas l'habitude de rider, donc voilà, beaucoup plus de cailloux, de la terre ocre comme là où on est actuellement. Vraiment c'est très très varié. Là un terrain de jeu grandiose. Je pense que je reviendrai très prochainement avec des potes de la moto justement pour passer plus de temps ici parce que ouais, c'est vraiment chouette.
super rides, des super sentiers. Une équipe au top là, un casting génial. On s'est régalé, Jay nous a organisé ça tip top. Ben ouais, c'est vrai, deux jours de rides de folie dans le secteur du Mont Ventoux, que je connais bien parce que j'habite au pied du Mont Ventoux. On a vraiment bouffé du super bon single. L'équipe VTTE.fr, très sympa aussi. Donc ben voilà, rien à dire, hein. Juste on a kiffé. Que du positif, super groupe, de l'échange, du partage, du fun, du ride, enfin tout ce qui va bien. Voilà, on a eu la banane pendant tous ces deux jours, c'était vraiment génial. Vraiment, enfin, ceux qui hésitent à candidater, faut surtout pas hésiter parce que c'est deux jours vraiment de super bonheur. Les deux jours qu'on a passés ensemble sont vraiment exceptionnels. À refaire sans hésiter. Je pense que les trois asticots, ils auraient aimé rester encore plus. Je pense qu'aussi ils vont revenir avec leurs potes. Ben, ils se sont régalés quoi, aussi bien à la montée qu'à la descente. Certains pensaient pas qu'avec des VAE, des VTTAE, on pouvait remonter les singles. Je leur ai prouvé qu'on pouvait le faire. Ils se sont surpris justement à faire des passages qu'ils n'auraient pas imaginé faire et qui n'ont pas l'habitude de faire chez eux. Donc je pense que ça va aussi relever encore leur niveau. Avant tout des inconnus et une super ambiance. La présentation du vélo a été géniale. Enfin, voilà. Ben merci. Merci à tous, au staff, à Giant, à Jay Maréchal, à vous. Puis on s'est tous régalés, je pense. Un grand merci aux 150 candidats. Ben, merci pour votre confiance et tentez à nouveau votre chance sur les prochaines ride sessions parce que moi c'est génial et puis c'est vraiment une belle expérience à vivre quoi, à faire.